Bonsoir et bienvenue sur cette session d'information sur EZAE TV, le sommaire. Le processus électoral engagé dans le cadre des prochaines élections communales et municipales au Bénin suit son cours. Les membres du COSLEPI ont en effet transmis au commissaire la liste électorale permanente ce vendredi matin. Le point est à suivre dans ce journal. Pour contribuer aux actions amorcées par le gouvernement béninois pour endiguer le Covid-19, la Fondation Jacques-Anne Migan a fait don de chèques de 1 million de francs CFA au nom du Trésor public. Vous suivrez à cet effet Maître Jacques Migan au cours de cette édition. Et puis, dans l'objectif de soutenir les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie Covid-19, l'Organisation des conducteurs de taxis civils des communes a lancé une campagne de sensibilisation afin de mieux informer les taximans béninois sur les gestes barrières à adopter quotidiennement. Comme il est de coutume depuis l'enregistrement de cas de coronavirus au Bénin, le ministre de la Santé, Benjamin Houpati, à travers un point de presse tenu dans la matinée de ce vendredi, a fait le bilan de la situation au Bénin, avec les trois nouveaux cas détectés dans le lot de la première vague des personnes mises en quarantaine dans les hôtels réquisitionnés à cette fin. Le nombre officiel des cas confirmés au Bénin est de 16 cas. Au cours de sa sortie médiatique, il a également fait mention de deux cas totalement guéri du Covid-19. C'était une brève pour ouvrir cette édition. En cette période où le monde entier est en proie au Covid-19, la Fondation Jacques-Anne Migan-Cham souhaite accompagner la nation béninoise et son gouvernement dans ses actions de lutte contre ce fléau à travers une modeste contribution. Elle a fait don au gouvernement d'un chèque de 1 million de francs CFA au nom du Trésor public. La cérémonie de remise officielle a eu lieu dans l'après-midi de ce vendredi au ministère de la Santé. Je vous invite donc à suivre Jacques Migan au micro d'Abdelkader. En cette période où toute l'humanité se mobilise pour faire face à la pandémie du Covid-19, un des plus grands défis sanitaires de l'existence humaine, la Fondation JAM, Jacques-Anne Migan, souhaite soutenir la nation et le gouvernement béninois dans le combat contre la propagation du coronavirus, un véritable fléau pour ce millénaire. Notre soutien est matérialisé par une modeste contribution financière qui, nous l'espérons bien, sera d'un appui dans le déploiement du dispositif national de riposte contre la pandémie face à laquelle l'une ne peut rester indifférent. Ce chèque que nous vous remettrons, monsieur le directeur du cabinet, pour le compte de l'État, est l'expression du devoir de solidarité de la Fondation JAM vis-à-vis de la nation béninoise, car l'obligation de solidarité qui incombe à tout un chacun de nous en de pareilles circonstances va bien au-delà des dons en nature et en espèces. En effet, en plus des ressources financières et matérielles que nous sommes appelés à apporter à l'effort national de lutte contre cette maladie ravageuse, nous devrions aussi être solidaires dans nos actes, nos gestes, nos pensées, nos réactions et nos appréciations en ces moments critiques. Respecter les mesures mises en place par les autorités sanitaires pour préserver notre santé commune, c'est faire preuve de solidarité. Partager les bonnes informations sur le Covid-19 avec les couches de notre société qui ignorent encore tout de ce mal, c'est une forme de solidarité. Aider une prise de conscience dans les milieux où l'on résiste encore à la réalité de cette maladie, c'est bien un autre niveau de solidarité. Dans la solidarité, la sérénité est garantie pour tous. Et quand on est serein, l'autodiscipline est évidente.
la solidarité, la sérénité et l'autodiscipline sont nos forces et nos âmes pour une victoire certaine sur le Covid-19. Cultivons-les et c'est toute la nation qui en bénéficierait. Le chèque a été réceptionné par le directeur de cabinet du ministère de la Santé car l'autorité ministérielle était empêchée. Je vous invite à présent à suivre Tétas Akogbeto. Je voudrais, au nom du ministre de la Santé en PRC, dire d'abord nos remerciements à la Fondation JAM qui a compris que le moment est critique, mais qui également a su répondre à l'appel du gouvernement qui demande à plus de solidarité. La solidarité, comme vous l'avez définie, ça va au-delà du simple appui financier. Vous avez su vraiment la résumer dans toutes ces dimensions, au point où je ne peux que vous en remercier et demander à la population de la traduire effectivement en acte cette solidarité qui va au-delà de l'appui financier. Contre la COVID-19, aucun apport ne sera de trop. Nous avons besoin de l'engagement de tous les Béninois pour vaincre cet ennemi invisible commun. Je voudrais saluer l'engagement de votre fondation aux côtés du ministère de la Santé, mais aussi aux côtés du gouvernement face à cette pandémie que nous sommes en train d'affronter. C'est encore une fois l'occasion pour nous d'inviter d'autres acteurs du secteur du développement à pouvoir également vous emboîter le pas pour qu'ensemble nous puissions venir à bout de cette pandémie, de ce virus, afin que nous puissions avoir un monde plus serein. Je voudrais profiter pour exhorter toute la population du Bénin au respect des mesures de prévention, des mesures de précaution prises par le gouvernement dans l'intérêt supérieur de la nation. Je voudrais pour terminer exprimer au nom du ministre de la Santé notre profonde gratitude et vous rassurer que ce tarif financier sera utilisé à bon escient. Notons que Anne de Verbizier épouse Migan est la présidente de la dite fondation. Elle n'a pas pu assister à la cérémonie de ce jour parce qu'elle est confinée à Paris. Plusieurs Béninois ont pris la mesure du danger que représente le Covid-19. Individuellement ou en communauté, ils ont pris les dispositions en respect des consignes gouvernementales. C'est l'exemple de l'organisation des conducteurs de taxi ville des communes qui a lancé une campagne de sensibilisation pour soutenir ces actions avant même le démarrage du cordon sanitaire. Suivez le secrétaire général de ce syndicat, Abraham Agbouakounou, qui énonce les actions mises en œuvre par l'Octavic. Il est au micro de D'abord, il faut que nous levons un équivoque. Je pense que lorsqu'on parle du transport en commun, c'est le transport à partir de plus d'une dizaine de personnes, une vingtaine, une cinquantaine, je pense que c'est ça. Nous, dans notre spécificité, nous sommes dans le transport urbain, c'est-à-dire c'est des véhicules de 5 places où nous déplaçons des gens entre villes, dans les villes, de quartier en quartier, etc. Donc, le gouvernement a parlé de la suspension du transport en commun, mais n'a pas été très clair dans sa prise de décision. Comme je l'ai dit, nous, on n'est pas trop concernés, parce que même si nous sommes concernés, ça veut dire que même Bénin Taxi est concerné. Nous envisageons également que nos conducteurs, déjà, vont commencer par mettre des bavettes appropriées et aussi des gants au volant. Donc pour gérer ces 2 semaines, nous avons pris des dispositions déjà à notre niveau. Nous allons voir si la pandémie, s'il arrivait que les cas se confirment davantage, nous serons obligés, même si on a des passagers, de réduire un pour qu'à l'arrière qu'il y ait 2 et que devant il y ait 1 seul. Nous aurons également à
désinfectés. Nous allons mettre à disposition des passagers dans les véhicules des gels. Et lorsque on ouvre les portières et on rentre dans les véhicules, qu'on se lave les mains avec les désinfectants, les gels désinfectants. Malheureusement, on n'en a pas trouvé dans les pharmacies. On risque de passer à l'étape de fabrication avec les ingrédients qui sont conseillés sur le net. Éventuellement, si avant le lundi, ces gels-là sont là, on va les acheter, les faire disposer dans les véhicules. Nous allons également aider nos conducteurs à disposer des bavettes appropriées et également des gants pour ces deux semaines-là, histoire d'éviter au maximum la contamination par le biais de nos véhicules. Nous envisageons également pour ceux-là qui vont appeler les véhicules pour venir les chercher pour des courses, nous avons prévu des désinfectants et devant le passager, asperger l'intérieur des véhicules pour désinfecter l'intérieur avant que le passager ne monte à bord du véhicule. Le gel sera toujours disponible pour que lui-même se désinfecte la main. Donc, toutes ces dispositions-là, nous avons déjà tenu des assises ici avec tout notre staff. Et d'ici la fin de cette semaine, d'ici demain, vendredi ou samedi, tout sera donc prêt. Au quatrième jour de l'entrée en vigueur des mesures prises par le gouvernement pour juguler la propagation du Covid-19, les usagers du marché Tokwa s'adaptent à la nouvelle donne, mais ils s'inquiètent pour l'avenir. Le constat a été fait par Karl Kitomé hier jeudi 2 avril 2020. Ces marchandises chargées à l'autogare de Saint-Michel sont destinées à des régions extérieures au cordon sanitaire. Les conducteurs chargés de les convoyer indiquent les conditions qui entourent leurs activités depuis le 30 mars, jour de l'entrée en vigueur du cordon sanitaire. Nos conducteurs de taxi qui circulent à Cotonou ou vers d'autres villes sont frappés de plein fouet par les restrictions. Il est normal de prendre des mesures pour éviter la contamination. Les acheteurs envoient l'argent et nous, conducteurs, nous nous chargeons d'acheter les marchandises que nous convoyons au lieu indiqué. Seul le chauffeur est autorisé à traverser le cordon avec les marchandises. Sans chargement, il n'est pas possible de revenir dans le cordon. Les restrictions instaurées par les mesures gouvernementales ont des effets sur le quotidien des Béninois. Certaines marchandises viennent de Lomé ou du Nigeria. Nous nous débrouillons avec les anciens stocks. Je devrais m'approvisionner à l'avance du confinement, mais je n'ai pas les moyens qu'il faut. Ces pagnes que vous voyez, je les ai achetées à crédit. Nous n'achetons plus des marchandises et le peu que nous avons en stock, nous avons du mal à les vendre. Nous prions les autorités de permettre la traversée du cordon. Cela pourrait maintenir notre secteur d'activité. Les populations de Cotonou s'adaptent progressivement aux nouvelles dispositions dans l'espoir de voir disparaître cette pandémie. Les usagers du marché Tokwa ont profité du micro de nos reporters pour évoquer des difficultés liées à leurs activités en cette période de restriction, surtout dans un périmètre interdit d'occupation. Si les clients ne se rendent pas au marché, nous ne pouvons pas vendre. C'est à l'aide des bus de transport en commun que nous arrivons à vendre aux clients qui quittent Alada, Calabi et autres régions pour acheter en gros. C'est ainsi que nous arrivons à faire le peu de bénéfices. Avec la suspension des bus de transport en commun, nous rencontrons plusieurs difficultés. Nous demandons aux autorités de revoir les mesures prises afin de nous aider. Nous n'avons plus accès aux balles de marchandises. Celles-ci sont suspendues pour 2 semaines. C'est compliqué d'arrêter nos activités pour 2 semaines car nous avons toute une famille à nourrir, des femmes et des enfants. C'est une bonne chose qu'ils ont fait. C'est dans le monde, c'est pas seulement au Bénin. C'est dans le monde, c'est truc, ça parcourt tout le monde. Mais il faudrait aussi nous aider pour que ce que ça donne à nous, population béninoise, pour peut-être
pour que ceux qui n'ont rien là s'en sortent de la situation. Il y a d'autres, ils ont fabriqué, ils ont des exemples, les caches mouchoirs. Les gens ont fabriqué ça. Or, ce n'est pas ce qu'ils allaient demander par le gouvernement. Ce virus, c'est un virus, c'est une maladie très très grave. Une maladie très très grave. Et que toute personne, tout individu, doit prendre soin de lui, doit se respecter. D'abord, ce n'est même pas le gouvernement qui va parler. Les gens qui sont en haut là-bas, ils sont en train de faire le mieux, le minimum. Ou bien le maximum du moins. Nous qui sommes là, on doit faire le minimum d'abord. Donc, ce qu'on va faire, que ce que moi je vois envers moi, c'est que les gens doivent respecter les consignes données. Le processus électoral des communales et municipales 2020 a franchi une étape essentielle ce vendredi à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COS LEPI, ont transmis au commissaire de la Sénat la liste électorale permanente informatisée actualisée. Au total, 5 235 609 électeurs sont attendus aux urnes le 17 mai prochain. Le compte rendu est signé Larios Adjagbeno. Par cet acte symbolique, la Commission électorale nationale autonome Sénat reçoit la liste électorale permanente informatisée 2020 du Conseil d'orientation et de supervision COS-LEPI. Sur la liste extraite du fichier électoral, le nombre d'électeurs connaît une augmentation de près de 4% par rapport à 2019. On dénombre 5 235 609 électeurs au 17 mai 2020, dont 45 374 à l'étranger, contre 5 037 785 électeurs, dont 45 386 à l'étranger en 2019. Le département de l'Atlantique constitue le plus grand grenier électoral du Bénin, avec plus de 800 000 électeurs devant l'Ouémé et le Borgo. Pour le président Jérémy Adomao, la transmission de la liste à la Sénat a lieu avec un léger retard en raison de certaines contingences. Le COS-LEPI a délivré aux partis politiques en compétition pour les élections communales du 17 mai 2020 un total de 2185 récépissés à la date du 26 mars 2020. Cette situation nous a mis dans un cas de force majeure pour le rendez-vous manqué du 17 mars que la haute juridiction, la Cour constitutionnelle, a réglé par décision DCC 20-415 du 2 avril 2020. Nous autorisant à remettre la liste au plus tard le 5 avril 2020 à minuit. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, mesure les difficultés rencontrées par le COS-LEPI pour l'actualisation de cette liste, indispensable dans le déroulement de son chronogramme. Je voudrais donc, au nom de la Sénat, vous adresser nos félicitations pour avoir réussi dans des conditions que je connais, dans des conditions particulières qui furent les vôtres, vous avez réussi à faire ce travail-là. Et la nation vous sera tout à fait reconnaissante pour tout ce que vous venez de faire. La liste électorale est pour nous essentielle parce que c'est à partir de cette liste que toutes nos activités se font. Après la réception officielle de la liste, le comité paritaire COS-LEPI Sénat va siéger le mercredi 8 avril prochain pour une séance de travail et d'information. Il est à préciser que, installé en septembre 2019, le COS-LEPI n'achève pas sa mission à la transmission de la liste électorale actualisée à la Sénat. À travers l'élément qui va suivre, le président Jérémy Adomao décline le reste du travail qu'il doit encore abattre avec ses pairs. C'est une partie de la mission, puisque nous devons maintenant produire les cartes d'électeurs pour les nouveaux majeurs, les nouvelles inscriptions et ceux qui ont demandé des transferts. Nous devons produire les cartes d'électeurs et procéder à leur distribution. Normalement, dans notre agenda, deux semaines, la fin de la distribution est prévue pour deux semaines avant le jour du scrutin, donc au plus tard le 2 mai 2020. Nous avons aussi comme tâche et l'identification des centres non loin des centres de vote inaccessibles. Suite à une décision de la Cour, les centres de vote inaccessibles, nous avons le devoir, conjointement avec la Sénat, d'aller identifier des endroits proches du lieu inaccessible et d'en informer suffisamment les populations, surtout
ceux qui sont inscrits sur la liste des 600 de vote. Madame, Monsieur, ainsi va l'actualité ce vendredi 3 avril 2020. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous.